Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page iStampinYou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif avec une belle carte de Noël. On est dans le thème en ce moment. J'en ai fait quelques-unes. Je vous ai montré un petit peu hier, j'ai fait les gnomes. Vous avez dû voir passer ça. Je me suis super amusée à faire mes gnomes. Hop, je remettais tout ça droit. Et donc aujourd'hui, on va utiliser la collection de papier. Je vais vous montrer la collection Manteau de Givre. Alors c'est une collection qui existait déjà l'année dernière, qui avait eu beaucoup beaucoup de succès et qui malheureusement avait été victime de son succès et donc avait été un petit peu en différé. Ça avait été compliqué de le commander et donc Stampin' Up! Nous a fait plaisir en le remettant cette année. Et donc je vais vous montrer un petit peu la carte qu'on va faire aujourd'hui. Alors je dis bonjour Patricia, Monique, Déborah, Catherine, Dominique, coucou tout le monde. J'espère que vous êtes prêtes. Allez, c'est parti, je vous montre. Voici la carte du jour. Donc c'est une carte que j'ai appelée la carte point de flèche. Alors on trouve sur internet le nom en anglais, mais moi je trouve que c'est... Enfin voilà, il y a des gens qui l'anglais, ça ne leur dit pas trop. Donc du coup, au moins point de flèche, on voit bien que ça ressemble à une pointe de flèche. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est plus facile. Alors je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Et vous allez me dire si vous aimez cette carte. Alors, coucou Sandrine, coucou Nathalie. Voilà cette petite carte du jour. Et donc qui va s'ouvrir ainsi et laisser apparaître. Alors moi j'ai mis de la déco à l'intérieur. Parce que bah, je trouvais que sur le devant il y avait déjà beaucoup avec le papier, donc ça laisse moins place à de la déco vraiment. Donc j'ai mis ma belle déco à l'intérieur. Je vais vous montrer de toute façon tout ça, on va le faire ensemble. Et je me suis laissé un espace au dos, alors très grand parce que cette carte fait 12 cm de largeur, donc elle est grande cette carte et donc on a de quoi largement mettre un mot au dos. On pourrait même remettre un rabat pour celles qui préfèrent que le mot soit refermé. Voilà, c'est tout à fait possible de rajouter un rabat au dos. Voilà, donc c'est parti. Alors, original, coucou Claudine. Ah, coucou Elisabeth. Ouh, ça va trop vite, j'ai pas le temps de lire tous les messages. Hop, hop, hop. Bon, je vois que ça a l'air de vous plaire, donc c'est parti. Alors, par contre, on va la faire dans une autre, dans d'autres coloris, parce que bah, moi, j'aime bien changer un petit peu et vous proposer d'autres choses. Alors, déjà, je vais vous montrer le papier. Je vais vous montrer ce qui me reste, c'est surtout ça, donc je vais vous montrer dans le catalogue, ce sera plus simple. Si vous avez le catalogue, le papier que j'utilise aujourd'hui, c'est le papier qui est à la page 42 du saisonnier. Donc le papier, pardon, le papier manteau de givre. Et donc ce que j'aime dans ce papier, c'est que, alors je vais vous en montrer quelques-unes quand même, il m'en reste quelques-unes entières, pas beaucoup, mais c'est que d'un côté on va avoir de belles images, voilà, donc divers. Donc celle-ci est magnifique par exemple. Celle-ci est déjà coupée. Vous voyez que je m'en suis déjà beaucoup servie. Hein. Donc un petit peu un côté givré, ben justement, je trouve. Enfin voilà, celle-ci est magnifique. Et donc on en a dans les tons bleus, dans les tons un petit peu plus roses, dans les tons blancs. De toute façon, comme toujours, les couleurs sont rappelées au dos du paquet. Et donc quand on retourne ces fameux papiers, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir les utiliser. Voilà. Regardez. Alors ça va briller à l'écran, je suis désolée. Mais on va avoir du papier brillant, argenté au dos. Donc ça, c'est pareil pour les fêtes, c'est top à utiliser. Enfin, moi, voilà. Moi, c'est une collection que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. La preuve, mon paquet est bientôt vide. Hop là. Donc, n'hésitez pas. Oui, ça fait un petit peu un pliage origami, c'est tout à fait ça. Hop. Allez, je mets le papier de côté, je mets le catalogue de côté et on va commencer. Alors, pour réaliser cette carte, je viens de tout faire tomber le catalogue, c'est pas grave, il ira pas plus bas, hein. Pour la base de cette carte, on va avoir besoin d'un papier uni. Alors, donc, j'avais utilisé du bleu nuit sur ma première carte. Et vous allez voir, je vais utiliser du fruit des bois sur la carte qu'on va faire ensemble. Fruits des bois. Donc, il va nous falloir un morceau qui va faire 12 cm par 29,7. Donc, on garde l'entièreté de la hauteur de la feuille. Donc, 12 cm.
Et on va plier en deux. Donc on plie en deux à 14,8. Alors pour celles qui auraient du mal à noter les mesures au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Comme toujours, alors je vous le montre, comme toujours, j'ai mon petit pense-bête ici. Et je vous ferai une photo à la fin du live, bien évidemment. Ça, je ne peux pas faire pendant. Je n'ai pas encore trouvé de solution pour ça. Allez, donc j'ai ma base ici de cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin de noter certaines mesures. Vous allez voir, c'est super facile en fait comme carte. Donc l'outil principal, ça va être un plioir pour bien marquer les plis de notre carte. Une règle, un stylo et le massicot pour plier. Ou alors, si vous voulez plier avec le plioir, vous pouvez tout à fait. Alors, ici, je vais ouvrir ma carte et la mettre à plat. Donc sur la partie qui est à droite, on va venir marquer des mesures. Alors moi je vais les mettre au stylo blanc pour que vous les voyez, comme ça vous verrez un petit peu, ce sera un petit peu plus facile. On va venir mettre plusieurs points, je vais vous les donner au fur et à mesure. Alors, on va caler sa règle ainsi, donc on part du centre de la carte. On va venir mettre un premier point à 5,5 cm. Si j'arrive à ouvrir le stylo, c'est mieux. 5,5 cm. Voilà. Puis un second point. Alors je dis bonjour en passant à Sylvie, Elisabeth, coucou les filles. Alors au cas où vous preniez en route, on a simplement utilisé une base de carte de 12 cm par 29,7 pliée en deux. Voilà, on en est là. Et Jo qui me dit qu'il y a un problème de réseau. Oh, c'est pas cool ça. J'espère que ça va s'arranger. Alors, le premier point que j'ai marqué, donc en partant du centre de ma carte, il est à 5,5. Le second va être à 10,5. Voilà. Je vais faire la même chose en bas. Alors, je pense que, comme ça, au moins, vous voyez un petit peu avec les points en blanc, parce que si je les avais fait au crayon de papier, je pense que vous n'auriez rien vu. Donc, je pars toujours du bas du centre de ma carte. Je marque mes 5,5 et 10,5. Donc, je remets les deux mêmes mesures qu'on a mis en face. Donc jusque-là, c'est assez facile. Ensuite, dans ce sens, on va noter une mesure qui va être la moitié de notre carte. Donc si jamais vous vouliez une carte plus petite, ce sera possible. Vous pouvez faire une carte qui soit... Parce que la mienne fait 12 cm ainsi, et donc elle tiendra pas dans une enveloppe classique. Il faudra lui faire une enveloppe particulière. Maintenant, vous pouvez réduire... Au lieu d'avoir 12, mettre que 10,5. Et bien sûr, vous adaptez les mesures en fonction. Il n'y a aucun souci. Donc ici, en fait, le principe, c'est de trouver le milieu. Donc le milieu de 12, c'est 6. Jusque là. Voilà. On a marqué tous les points nécessaires à notre carte. Maintenant, on va marquer des plis. Donc, je vais vous montrer comment on va plier. On va marquer un pli qui va partir. Voilà. Je vais les tracer d'un côté, vous les verrez bien. Voilà, je vais vous les tracer les plis. Vous verrez très bien. De toute façon, ça ne se verra pas, ce sera plié. Et puis si ça se voit, bah, c'est pas grave, c'est ma carte d'atelier. Donc voilà. Hop. Je vous les marque vite fait. Je vous les marque que d'un côté, vous allez comprendre qu'on fait exactement la même chose de l'autre. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire ici, c'est marquer les plis. Donc en partant du centre de la carte, jusqu'au milieu en face, et en partant des deux points qu'on a marqués jusqu'au milieu de la carte. Et on va faire pareil des deux côtés. Alors pour ça, moi je mets de mon massicot, vous pouvez le faire avec éventuellement la boule de l'outil touche à tout et un tapis, comme vous voulez. Alors simplement, je viens mettre ici la pointe vraiment calée dans la réglette et également en haut. Et je fais mon premier pli. Et ensuite, je me décale jusqu'au suivant. Voilà. Vous voyez, c'est facile, hein. Et enfin, au troisième. On a l'impression que ça va être une carte compliquée, parce que souvent, quand j'entends origami ou pliage un petit peu comme ça, ça fait un peu peur. Mais non, vous allez voir, c'est super facile. Donc, j'ai marqué mes trois plis de ce côté et je vais faire exactement la même chose en face. Donc, je vais marquer mes trois plis
Exactement de la même façon. Donc pareil, je me cale mon point central ici, bien au niveau de ma réglette. Et le premier point tout en haut pour marquer le pli. Alors je vois pas beaucoup de messages passer. Alors je ne sais pas si c'est que ma connexion. Je pense que mon fils est en train de jouer. Il n'a pas école après-midi. Je pense qu'il est sur les jeux vidéo. Je pense qu'il me. Non. Bref, je continue mes plis. Les ados, hein. Moi je vous jure. Je ne sais pas si vous avez ça vous à la maison, des ados, mais ça utilise une connexion internet de dingue. Voilà. On a marqué nos 6 plis. Maintenant, ce qui va être simple, c'est qu'on va. Alors, voilà, moi on voit les traits. Hein. Normalement, vous, on ne vous voit plus et vous pouvez gommer les petites marques que vous avez fait également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Donc ça va être facile, on va plier en accordéon. Une fois dans un sens. Donc à chaque fois, je marque bien. Ensuite, dans l'autre. Donc ce sera à l'intérieur de ma carte, ça ne se verra pas trop les traits, mais voilà. Et enfin, à nouveau, vers l'intérieur. Donc on plie une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour obtenir ceci. Donc d'abord, je fais... Oui, ça dévore. Ah, ça dévore aussi les ados. Ah oui, je confirme. Je confirme, ça mange bien. Moi, j'ai un petit Lucas, un petit, fait 20 cm de plus que moi maintenant, hein. Et je dois dire qu'il a plutôt bon appétit. Donc, pareil, donc je plie en accordéon mes 3 plis. Donc, surtout, n'hésitez pas à me demander si vous n'avez pas bien vu, je vous remontre. Voilà, on va obtenir ceci. Donc, moi, je préfère tout plier et ensuite, je passe au collage. Comme ça, je réfléchis à comment je colle. Parce que quand j'ai fait quelques essais de cette carte-là, j'ai quand même mis de la colle où il ne fallait pas. Donc, voilà. Donc, marquez bien tous vos plis et regardez où vous allez coller. Alors, certains ne collent juste, ne collent pas les morceaux comme ça pour que ce soit bien aplati. Moi, je trouve que déjà, ça a tendance à se soulever un petit peu. Mais si on laisse complètement comme ça... Allez, je vous montre. La carte va se soulever énormément et les deux rabats ici vont bouger. Donc, certaines conseillent de mettre simplement un point de colle ici. Donc, vous pouvez éventuellement simplement mettre un point de colle ou un glue dot ici. Moi, ce que je vous montre, c'est que je colle. Au moins, ça ne bougera pas. Je colle si j'ai pris ma colle. Ah, bah, ça, c'est une bonne. C'est la première fois que j'oublie ma colle. Alors, je l'attrape. Hop. Voilà. Une scrapeuse sans colle, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Donc, moi, je colle l'ensemble. Alors, je rouvre. Donc, vous voyez, je réfléchis en fait. Je suis obligée parce que sinon, voilà, je mets de la colle ou je ne fais pas. Donc, je vois que ce morceau va être entièrement rabattu. Donc, je sais que je peux mettre de la colle dessus. Hop. Et je vais m'aider de mon massicot pour coller. Ici, ça va être rabattu comme ça. Alors moi, la première fois, j'ai mis de la colle tout partout. Alors je crois que j'ai un livreur qui vient de sonner à la porte. J'espère que mon fils va y aller. Je pense que vous entendez mes chiens, vous voyez, voilà. Bref. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici seulement. Parce que si j'en mets surtout ici, ça va déborder et en fait ça se verra de ce côté. Alors, c'est parti. Je mets simplement de la colle ici et je rabats bien. Et enfin, le petit triangle restant va être entièrement posé, donc on peut mettre de la colle partout. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Vous entendez beaucoup mes chiens qui aboient là? Ça craint. Hop. On va faire la même chose ici. Donc je mets ma colle et j'applique bien. Voilà, comme ça. Et enfin, le dernier, le petit triangle, et tout sera collé.
Voilà. Donc vous voyez, on voit légèrement mon trait blanc, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Voilà là-bas la structure, on va dire, de notre carte. C'est sûrement un colis Stampin' Up. Oui, je sais, c'est sûrement un colis Stampin' Up, mais non, je ne vous abandonne pas. Je reste avec vous. Allez, maintenant passons à la déco. Donc ce que vous avez vu, c'est que j'ai mis un papier à l'avant qui a été coupé finalement en trois morceaux. Et à l'intérieur de la déco. Donc on va procéder de la même façon. Donc pour cette carte, c'est pour ça que j'ai choisi un papier fruits des bois. C'est que je suis partie sur un papier. Alors où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici. Je suis partie sur ce papier-là, que je trouve très beau. C'est des feuillages un petit peu enneigés et givrés. Je trouve ça très 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 joli comme papier. Et donc c'est ce que je vais utiliser sur cette carte-là. Vous voyez, j'aurai deux cartes finalement identiques sur leur structure, mais totalement différentes sur le résultat. Super pliage. T'as vu, super et facile. Et du coup, on a une carte qui est un petit peu originale, qui change un peu des cartes qu'on a l'habitude de voir. Si vous la faites en blanc, par exemple, vous pouvez très bien mettre un petit mot à l'intérieur. Voilà, ça change un petit peu. Ils font leur travail, les toutous. Oui, j'avoue, mais c'est un peu pénible en vidéo. Alors, dans le papier design, il va nous falloir un morceau qui fait 11,5 par 14,3. Alors, si vous avez un motif comme ça, comme le mien, ou comme j'avais ici, regardez un petit peu du quel côté vous voulez garder le motif. Si vous avez un motif qui est un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, réfléchissez bien avant de couper. Moi, peu importe, de toute façon, elle me plaît de partout. Donc là, 11,5. Donc 11,5. Hop. Par 14,3. Alors, je vais garder plutôt le haut. Je vais couper le bas. Voilà, on obtient ceci. Le reste, vous pouvez le garder pour d'autres cartes, pour des chutes, pour remettre un petit rappel au dos, par exemple. Vous voyez, j'aurais pu garder un petit bout et faire un petit rappel au dos ou un petit rappel sur votre enveloppe. Hein. Je vous rappelle, c'est sympa de décorer les enveloppes. Quand on reçoit une enveloppe, on aime bien qu'elle soit un petit peu décorée. Ensuite. Trop dur un collier, tu sais pas quoi. Ben ouais, en plus, ouais, enfin, mais je sais ce que c'est en plus, mais bon, voilà, je reste avec vous. Alors, vous voyez, le papier fait exactement la taille qu'on aurait besoin pour mater la carte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découper, ce morceau. Donc, on le prend dans sa hauteur et on va venir marquer un pli au milieu. Donc, ici, le papier fait 11,5. Donc, le milieu de 11,5, c'est un peu moins drôle, c'est 5,75. Alors, 5,75 pour mes copines belges qui me suivent. Alors, hop, hop, hop. Donc, 5,75. Alors, ouais, c'est de l'à peu près 75. Hein. Voilà. Donc, je fais une petite marque ici. Donc, pensez bien à mettre votre papier dans le sens où il va aller. Hein, parce que si vous me le mettez comme ça, vous allez être embêté. Ou à l'envers, vous allez avoir des motifs à l'envers. On va venir découper en partant de ce point jusqu'à l'angle en haut des deux côtés. Donc je reprends mon massicot. En plus, je ne sais pas si il me dépose pas mon colis, si mon fils n'y a pas été. Je ne sais même pas s'il y a des relais qui fonctionnent. Bon, il sera obligé de repasser demain, sinon. Bref. Donc je découpe le premier, ainsi, et je pars du point marqué à 5. 75 jusqu'à l'angle opposé. Je le pousse parce que je suis capable de le couper sinon. Voilà. On obtient donc trois morceaux, trois triangles. Alors, je ne vous ferai pas un cours sur les triangles, hein. On parlait justement hier avec mes enfants du théorème de Pythagore, mais non, hein, c'est pas le jour. Donc on obtient trois morceaux. On va venir bien évidemment prendre le grand morceau et venir le coller au-dessus. Donc je vous invite à le centrer. Donc ça vous laisse un petit bord de 2 mm à peu près de chaque côté et également au haut et en bas. Des nouveautés? Non, c'est pas mon carton avec mes nouveautés. Celui-là, il n'est pas encore parti. Dans la semaine, mais pas aujourd'hui. Non, là, c'est des commandes. Hop!
Ah oui, demain c'est férié. Oui, donc s'il n'a pas déposé le colis, ce sera pour jeudi. Bon, bah voilà, je devrais mettre un message, je devrais mettre un panneau au livreur. Je suis en live, ne pas sonner. Donc je viens coller mon premier papier. Franchement, ça ressort super bien sur le fruit des bois. J'adore. Bon, vous inquiétez pas, j'ai plein de quoi m'occuper. J'ai déjà plein plein de produits pour m'occuper, même si j'attends certaines choses. Voilà, j'ai de quoi faire. Ensuite, on va ouvrir et les deux triangles obtenus, on va venir les coller ainsi. Donc c'est pareil, je vous invite à laisser 1 ou 2 mm, ou 2 mm à peu près, de chaque côté et sur le bas. Et l'idée, c'est de les mettre bien alignés, pardon, l'un en face de l'autre, hein, comme si vous aviez une règle en fait qui les aligne. Parce que si vous les mettez, alors j'exagère volontairement, mais si vous les mettez comme ça, décalés, ça va se voir énormément au niveau ici de la carte. Déjà, ça va se voir au niveau de votre motif qui ne sera pas vraiment raccord. Et en plus, ça fera moche. Voilà. Alors, belle réalisation. Merci. Faut pas hésiter si les vidéos que je fais vous plaisent de les reproduire et puis de me taguer avec en mettant le hashtag iStampinYou et puis que je puisse aller voir ce que vous avez fait avec mes tutos. Alors, ce tuto, je l'ai trouvé sur un site anglais. Donc c'était une carte, c'est ce que je vous disais, c'est une carte point de flèche. Alors, ils appellent ça Euro Card, donc carte flèche. Mais je préfère la nommer en français, c'est plus simple pour retrouver à quoi ça correspond. Moi, un point de flèche, on voit tout de suite ce que ça fait. C'est vrai, superbe couleur. Ouais, hein. Non, ce n'est pas un deuxième livreur. Mes chiens sont très très en forme ce matin, enfin cet après-midi. J'aime mieux en français aussi. Ouais, voilà, c'est plus simple. Alors, ici, voilà ce qu'on obtient. Comme ceci. Donc, on a notre papier design. Qui est coupé, qui est collé, on n'a plus qu'à faire finalement de la déco. Donc ici, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur le devant et sur l'intérieur. On va commencer par l'avant de la carte. Donc sur l'avant de la carte, j'ai voulu mettre simplement un texte. Donc le texte, je vous abandonne 3 secondes. Hop! Le temps de les gronder en fait, voilà, pour qu'ils arrêtent d'aboyer. Non, je pense que ce coup-ci c'était le facteur, c'était pas le livreur. Enfin bon, c'est tout, c'est pas grave, hein. Ils ont tous mal choisi leur moment. Bref, on parlait de déco. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étiquette avec le texte. Donc le texte que j'ai choisi, il vient de la collection que j'adore, qui est Magie et Merveilles. Et donc le texte dit que les merveilles de Noël colorent votre vie tout au long de l'année. Et je trouve que pour des cartes où il y a du papier coloré comme ça, je trouve que le texte se prête bien. On pourrait mettre un morceau pour cacher les pliages à l'intérieur. Oui, si tu trouves que c'est moche à l'intérieur, tu peux remettre un papier. J'avoue, il y a possibilité. À ce moment-là, tu le traces. Hein, et puis tu viens le découper et le recoller par-dessus. Moi, j'avoue que ça ne me gêne pas, donc je l'ai laissé ainsi. Donc on va tamponner et donc pour être raccord, je vais tamponner sur du papier fruit des bois. Donc je vais prendre mon tampon et donc pour tamponner sur du fruit des bois, il va falloir que je tamponne à la Versamark et que j'embosse le tout. Allez, hop, c'est parti. Alors pour embosser à chaque fois la Versamark, la poudre et le pistolet chauffant comme d'habitude, rien de nouveau. Alors, la Versamark sur mon tampon. Alors moi, je me cale dans un angle de mon papier, comme ça je viens découper l'étiquette à la taille de mon texte.
Je ne mesure pas à l'avance quelle taille il faut exactement. Voilà. Et donc, on va mettre la poudre embossée. Donc, j'ai pris de la poudre blanche pour que ça ressorte bien. Vous pourriez prendre de la dorée également. On enlève l'excédent. Surtout, on range avant de chauffer au pistolet à colle, sinon il y a tout qui vole. Un flocon pour cacher? C'est ça? Un flocon pour cacher le pliage là? Oui, on pourrait mettre un joli flocon aussi. Tout à fait vrai. Et donc je vais chauffer, donc je vais faire un petit peu de bruit à mon tour. Vous voyez, les chiens n'ont pas encore fait assez de bruit aujourd'hui. C'est moi qui vous casse un petit peu les oreilles et je vais chauffer mon embossage. Impeccable. Donc on va venir couper l'étiquette à la bonne taille. Donc je la recoupe simplement pour qu'elle soit adaptée à mon texte. Donc ici, ça fait en gros 2 cm pour vous donner une idée de la taille par 6. Voilà. 2 cm par 6. Et on a notre texte. Alors moi, comme j'ai envie que ça ressorte un petit peu plus, et comme vous avez pu voir sur la première carte, j'avais mis du papier brillant béguin bleu, papier paillette. Alors ici, je vais pas mettre du papier paillette bleu parce que ce sera pas très joyeux, je pense. Par contre, je vais prendre du papier qui brille. J'ai choisi du papier champagne aujourd'hui. Alors je vais d'abord faire ça. Hop là. Et donc je prends une petite chute de papier champagne. Donc ça va briller à l'écran, désolé. Et je prends un morceau un petit peu plus grand que mon étiquette. Donc un petit peu plus grand que 2 par 6. Alors je ne fais pas 2,5, je fais 2,4 à peu près. Pour dire qu'il y a 2 mm de chaque côté. Par 6,4 à peu près. Adaptez-le en fonction de votre texte, bien évidemment. Et je vais venir coller mon texte dessus. Hop, regardez, ça va bien faire ressortir le côté sympa de la carte. Moi, j'aime bien. J'aime bien mettre une petite touche de brillant. Voilà. Alors, sur du papier comme ça, sur le papier à paillettes, si vous collez sur du papier à paillettes, mettez bien un petit peu de colle parce que ça a tendance à être difficile à coller parce que de temps en temps, les paillettes s'en vont et donc la colle n'adhère pas vraiment en profondeur du papier et des fois, ça se défait. Donc là, sur le papier brillant, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite le mettre bien parce que si vous bougez et que vous mettez de la colle, en fait, la colle tache le papier brillant et après, ça ne fait pas très beau. Voilà. Comme ceci, et simplement, je vais venir le mettre, le coller avec de la mousse 3D. Alors, simplement 2 mousses, hein, il n'y a pas besoin de 50 mousses. Voilà. Et on va venir le coller. Alors l'avantage de coller avec du 3D, c'est que vous voyez, alors vous voyez peut-être pas bien, mais ici voilà, j'ai des petits feuillages en vélin. Et donc on va pouvoir venir les glisser ensuite dessous sans problème. Si on avait collé et qu'on avait mis la colle au rebord, on n'aurait pas réussi. Donc essayez de centrer votre étiquette. Alors ça peut dépasser sur les pointes. Enfin, c'est à votre convenance. Moi, je voulais garder vraiment la forme de la carte. Au maximum et donc voilà, je trouve que comme ça on voit bien la forme de la carte. Donc les petits vélins, je les ai découpés à l'avance. Alors normalement, hop hop hop, voilà. Donc les vélins, je les ai eus, donc c'est la découpe qui est ici. Donc vraiment cette collection, alors au départ c'est marrant parce que quand j'ai feuilleté le catalogue, je ne l'ai pas pris en me disant oui, je mettrai quand même un strass. Hein. Ah oui, c'est pas parce que j'ai mis du papier brillant que je ne mettrai pas un strass. Hein. Regarde, il y en a quand même. Hein. Non, 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 faut pas.
Au départ, quand j'ai vu le catalogue, c'est marrant, ce set de tampons, enfin ce lot, je l'avais pas. Enfin voilà, j'avais feuilleté, j'avais craqué sur d'autres choses et tout. Et au final, c'est. Et pourtant, vous savez que j'aime Halloween, mais c'est mon set, mon lot préféré du catalogue hiver. Vraiment, c'est vraiment mon must du must, tout en haut, vraiment, il est tout en haut des autres. J'adore les découpes, j'adore le renne, les étiquettes sont magnifiques, le tag, il est juste à la bonne taille. Le traîneau, il est très sympa à utiliser. Moi, je l'ai embossé en doré, ça rend super bien. Donc vraiment, il n'y a que ce sac que j'ai pas utilisé. Et j'avoue que je n'ai même pas réfléchi à quoi ça pouvait servir. Bref, sinon ce lot-là est magnifique. Donc mes petits vélins, donc ce que je vais faire, c'est que je mets juste une pointe de colle. Je stresse maintenant, j'entends des voitures qui passent, je stresse en me disant non, non, pourvu que ce soit pas pour moi. Je vais simplement couper la petite pointe de ma tige. Hop. Et comme ça, je viens passer le dessous. Voilà, donc ici, je vais faire la même chose, je coupe ma petite tige. Alors, si vous ne voulez pas mettre de la colle, vous pouvez utiliser un glue dot, un point de colle. Et voilà, je vais le mettre. Comme ceci. Donc pour l'avant, il restera simplement à mettre un ou deux strass tout à l'heure. En attendant, on va décorer l'intérieur. Alors l'intérieur, j'ai préparé également à l'avance pour vous éviter d'avoir à tout découper avec vous et perdre du temps. J'ai découpé un petit peu à l'avance certaines choses. Alors j'ai découpé le tag. Donc c'est le tag qu'on retrouve ici et je l'ai collé ainsi. Donc il dépasse légèrement sur mon triangle. Mais faites attention en fait quand vous mettez vos décorations, faites un essai avant de coller pour voir si ça se voit au travers ou pas de la carte. Parce qu'on peut légèrement dépasser du triangle, hein, parce qu'on a les petites pointes ici qui dépassent, mais il ne faut pas non plus que vous mettiez quelque chose. Alors ici ça ne se voit pas forcément, mais il ne faut pas que vous mettiez carrément quelque chose comme ça parce que ça va vraiment se voir et pour le coup ce ne sera pas terrible. Donc bien réfléchir avant de coller. Vraiment de voir où ça, ce que ça va donner une fois fermé. Donc le tag ici, je ne vais pas mettre de la colle partout, je vais simplement mettre de la colle, vous voyez, là où je vais venir coller quelque chose dessus. Comme ça, je ne tache pas mon vélin et il n'a pas de trace. Hop, alors je mets la colle. Hop, ici. Donc vous voyez, ça suffit, hein. De toute façon, il va y avoir d'autres choses collées dessus. Je fais attention où je colle. Ça dépasse un peu. Alors j'essaye de centrer aussi. Voilà. Ici, j'ai découpé. Alors, je vais vous montrer. Et puis, de toute façon, le tampon, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un peu mieux les dies. J'ai découpé cette étiquette-là. Donc, ce dies-là. Et ça donne ceci. Moi, c'est vraiment une étiquette. Je pense que vous l'avez vue du coup régulièrement auprès de moi. Parce que c'est une étiquette que j'ai fait souvent. Ici, je l'ai collée. Donc, c'est pareil. Faites attention quand vous collez votre rond. Ici, vous n'avez pas droit à l'erreur, donc il ne faut pas que ça dépasse. Donc, bien le coller vers l'intérieur. Merci, vraiment un beau projet. Oh, bah, c'est avec plaisir. Hop. Ici, donc mon rond, il ne dépasse pas. Donc, on peut toujours vérifier. Tout va bien. Ensuite, alors, sur le rond, vous voyez, j'ai mis un texte. Alors, le texte, je l'aime bien. C'est écrit fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau, livraison prioritaire. Et donc j'ai utilisé ce tampon. Ici, je l'avais tamponné en bleu nuit puisque c'était la couleur de fond de ma carte. Donc ici, je vais le tamponner en fruits des bois pour être raccord avec ma carte. Alors, simplement un morceau de papier blanc. Je vais venir tamponner. Voilà, ça rend bien. En... Oui, super projet. Oh, bah, je suis contente, les filles, si ça vous plaît. Parce que des fois, on a moins d'idées. Des fois, on ne sait pas trop. Alors, j'avoue que cette carte-là me plaît beaucoup. Les papiers me plaisent énormément. Donc, je me doutais que ça allait vous plaire, en fait. Et donc, cette belle étiquette qu'on a tamponné, on va pouvoir la découper ici à l'aide du dies rond qui fait juste la bonne taille pour pouvoir
couper. Alors, il va falloir que je fasse un petit peu de place pour la machine. Hop, je vais déjà caler mon dies. Alors, moi, je vous invite à mettre un petit bout de scotch repositionnable. Hop, j'en ai prévu un d'avance. Et de maintenir votre dies comme ça, si, surtout si vous manipulez. Si le temps de passer dans la machine, des fois, ça a complètement bougé et on est un petit peu deck. Donc, voilà. Allez, j'attrape ma cut-cut. Hop. Oh, merci. Super projet. Beau set de tampons, beau papier, super explication. Mais vraiment, merci. Merci. Allez, je coupe simplement mon dies. J'aurais pu le faire à l'avance, mais quand même, je me suis dit qu'il fallait bien que je travaille un petit peu avec vous parce que sinon, vous allez croire que je prends des projets tout faits. Hop. J'adore ma machine, franchement. Bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas vous refaire une vidéo, mais elle va vraiment très bien. Pour les gens qui n'ont pas encore de machine, n'hésitez pas à me contacter pour avoir des conseils sur cette machine-là, parce qu'elle est vraiment top de top. Alors, j'enlève tout doucement mon scotch repositionnable pour ne pas abîmer mon tampon. Hop, je le remets dans un coin, que ça pourra me servir. Et voilà la belle étiquette que ça donne. Alors, on va venir la mettre. Ici, donc vous pouvez travailler un petit peu en 3D parce que de toute façon, votre carte se soulève légèrement, enfin votre carte va se soulever quand même un tout petit peu. Donc vous pouvez éventuellement mettre du 3D. Moi personnellement, j'ai tout collé à plat. Alors, je vous remets celle-ci. Ici, de la colle et on va venir le centrer sur notre belle étiquette. Voilà. Il nous reste un petit peu de déco. Alors, comme j'avais mis sur le devant du papier paillettes bleu béguin, j'avais mis le renne en papier paillettes bleu béguin. Ici, comme j'ai mis du papier champagne, j'ai découpé mon renne en champagne. Regardez comme ça va être beau. Donc, pareil, faites attention que le renne ne dépasse pas de votre carte. Hein. À chaque fois, là, pensez bien à vérifier si vous avez un doute. Hop là. Alors, je mets de la colle. Alors, je colle pas, je m'embête pas à coller les pattes ou les bois. Je mets simplement de la colle sur le corps. Ça suffit largement. Je viens le positionner en bas de mon papier vélin. Donc, il recouvre un tout petit peu mon étiquette. C'est pas du tout un problème. Voilà. Hop. Vous aimez? Et alors, pour les petits feuillages que j'ai rajoutés ici et là, j'avais envie d'une couleur qui aille bien avec. Alors j'avais plusieurs possibilités et je me suis arrêtée sur le plume de Parme. Je pense que c'était une bonne option. Alors, cette couleur est très très douce. Ça va ramener de la douceur à mon papier fruits des bois, je trouve. Et simplement, je vais venir les coller comme ceci. Alors, je coupe les pointes, c'est plus facile pour faire glisser à l'intérieur. Hop, je mets un point de colle. Et je viens les passer sous mon étiquette. Voilà, et d'une. Et je fais pareil avec les trois feuillages. De la même façon, j'ai mis des strass sur l'avant de la carte et pas à l'intérieur pour que quand ça s'appuie. J'avais peur que ça marque et que ça abîme. Vous savez, quand vous faites des mini-albums, c'est pareil. Faites attention quand vous mettez des strass ou des petites choses en face de vos photos, ça a tendance à s'appuyer et ça laisse des marques et c'est un petit peu dommage. Donc là, je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Donc le plume de Parme, si je ne me trompe pas, c'était une des couleurs présentes dans le papier. Donc j'ai rien inventé. Hein. J'ai pris une des couleurs. Alors, je vous rappelle les couleurs qui sont dans le papier. On a du béguin bleu, du fleur de cerisier, horizon de bruyère, bleu nuit, pampinpon, plume de Parme. Voilà, c'est là que je l'avais vu. Rose rococo, souffle d'écume, ardoise bourgeoise et murbure blanc. On a quand même une palette de couleurs assez complète.
Et donc voilà, c'était pas très difficile de trouver la couleur qui allait bien aller avec mon papier. Voilà, regardez. Donc deux cartes avec la même technique, des couleurs différentes, on obtient quelque chose de complètement différent. Alors bien évidemment, on va rajouter un petit strass. Sinon, notre carte, elle ne serait pas finie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Je pense que je vais partir sur les... Je vais partir sur les bijoux classiques du Rhin champagne, parce que ça rappelle un petit peu là le papier champagne que j'ai utilisé. Je trouve que c'est une bonne idée. Alors, j'ai mis un petit strass en fait tout au bord de mon étiquette. J'aime bien souligner un petit peu l'étiquette. Et ensuite, bah, j'ai mis deux petits strass comme ça, par-ci, par-là. Je vais en mettre un grand. Allez. Hop là. Voilà pour les strass. Donc cette carte est maintenant terminée. Dites-moi tout, ça vous plaît? Je me suis bien amusée en tout cas à la faire et à la préparer. Alors, je vous montre le résultat final. Voilà nos deux cartes d'un petit peu plus près. Ah, j'ai pas mis le papier blanc au dos, mais bon, il y a juste à remettre un papier blanc au dos. Si jamais vous voulez remettre un papier blanc au dos, il fait 11,5 par 14,3. Hein, tout simplement, là, je ne l'ai pas préparé, donc, mais je le remettrai tout à l'heure. Sinon, vous pouvez écrire au stylo blanc sur le papier fruits des bois, ça ressort bien, hein, il n'y a pas de souci. Ça dépend, en fait, pour certaines, vous faites attention, je sais, au poids de vos cartes quand vous les envoyez. Donc, soit vous pouvez écrire au stylo blanc si vous voulez que ce soit plus léger. Sinon, vous pouvez remettre un morceau de papier. Alors, blanc, moi j'ai mis du murmure blanc. Certains remettent simplement une feuille d'imprimante. Donc, voilà, à votre guise. Alors, vraiment belle, superbe, très belle. Gna gna gna, jolie, merci. Magnifique petite préférence pour la bleue. Ah, bah j'y venais justement. Quelle est la carte que vous préférez? C'est pas facile, hein. J'avoue que j'aime bien les deux. Voilà. Et à l'intérieur, comme ceci. Ça ressort bien, hein? Alors, je vous les montre un petit peu plus près. Voilà. Bon, bah sur ce. Alors pour moi, la rose. Ok. Donc j'ai eu une bleue. Ah, les deux. Ah. C'est pas toujours évident de choisir, hein? Je vais attendre de voir un petit peu ce que les gens me disent. Quelle couleur vous préférez? Les deux. Bon, d'accord. Découpe très originale, merci. Les deux. Bon, bah les deux, quoi. Elles sont superbes, je la referai très certainement en bleu nuit, mais j'aime beaucoup celle en fruits des bois. Merci, Dominique. En fait, les deux. Tout en délicatesse et raffinée. Bravo et merci pour ce partage d'idées. Petite référence pour fruits des bois. Ok, la deuxième, la rose, les deux. Bon bah voilà, je vois qu'en tout cas, il y a possibilité de faire plaisir à tout le monde. Ce papier, vous voyez, il y a possibilité avec ce papier design d'avoir des cartes vraiment très très belles. Donc voilà. Donc je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc la carte point de flèche. On se retrouve. On est quel jour là? On est mardi? Je ne sais plus. On se retrouve jeudi à 14h pour un nouveau projet. Donc d'ailleurs, si vous avez des idées ou si vous avez vu des tutos que vous n'avez pas compris, vous pouvez me mettre en message privé et puis je pourrai éventuellement travailler sur les cartes que vous avez envie que je réalise. Voilà, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des gros gros bisous, puis je vais aller voir mes histoires de colis. Allez, salut tout le monde!